Alors, transmettre mon savoir-faire, c'est un devoir pour moi. Donc, c'est déjà leur expliquer tout ce qui est dans le domaine du commerce, les contrats cadres, les négociations commerciales avec les clients, les calculs des prix, prix de vente TTC, vente à perte, les calculs des marges. La gestion aussi de la durée de vie d'un produit, d'un jeu. Il y a un début, il y a une maturité, il y a une fin. Et puis tout ce qui peut être aussi le trade, ce qu'on appelle le trade marketing, animation en magasin des différents produits. Ensuite, l'expérience avec les élèves, pour moi à titre personnel, c'est vraiment unique. Ça n'a rien à voir avec un rendez-vous classique. Je trouve que c'est vraiment un apport pédagogique et pour les élèves et pour moi à titre personnel qui est très important. Alors évidemment, on évolue tout au long de sa carrière. Les quelques critères primordiaux que je donnerais, c'est l'écoute du client, de ses collaborateurs, très important. Maîtriser la gymnastique des chiffres, savoir compter, c'est aussi un apport de confiance en soi. Gérer son réseau de contacts, ses clients, les privilégier évidemment. C'est toujours s'auto-analyser en sortant d'un rendez-vous. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, de manière à tout de suite pouvoir réagir lors d'un prochain rendez-vous.